Yo les Nakamas, c'est Alexan, j'espère que vous allez bien les gars. Alors dans cette vidéo on va parler ensemble des épisodes 5 et 6 de Sword Art Online Alicization avec une sorte de grosse double review et grosse double analyse, parce que la semaine dernière l'épisode 5 n'était pas assez conséquent ni assez intéressant pour faire une bonne analyse ni un bon résumé. Donc forcément, plutôt que faire une petite review de 3 minutes, j'ai préféré attendre l'épisode 6 pour faire une double review de qualité et qui sera beaucoup plus intéressante. Avant de commencer à parler des épisodes 5 et 6 dans cette vidéo là et de les résumer et de les analyser, j'ai d'abord un truc à vous demander. Pour ceux qui reçoivent d'un côté mes notifications sur les vidéos, les lives quand j'en fais et même les notifications par rapport à l'onglet communauté quand je poste un message assez important, vous savez tous qu'actuellement je suis en Master 1 à Lyon en école de commerce gaming et que du coup avec deux de mes collègues on est en train de conceptualiser et de développer un tout nouveau jeu vidéo, ou du moins un tout nouveau MMORPG. J'avais donc mis dans l'onglet communauté un questionnaire, du moins le lien d'un de mes questionnaires, pour qu'on puisse avoir notamment pas mal de réponses, que ce soit de vous mes abonnés, que ce soit des internautes en général, des gens qu'on a pu interroger en face à face dans la rue, des gens sur internet et tout ça. On a pu récupérer un maximum de données justement pour analyser et voir un petit peu si on va dans la bonne direction ou pas. Sauf qu'il nous manque encore quand même pas mal de réponses, du coup c'est pour ça que je vous le partage encore une fois, cette fois-ci en vidéo et non dans l'onglet communauté. Du coup vous aurez le lien du questionnaire tout en haut de la description. Donc je compte vraiment sur vous de pour prendre 5 minutes de votre temps, c'est pas plus que ça, pour répondre à toutes les questions avec le plus de sérieux possible, avec votre propre opinion possible, en toute objectivité. Après par contre, quand vous arriverez du coup à la fin du questionnaire, à la question 21, avec du coup la fameuse question comment avez-vous accédé à ce questionnaire là, vous aurez soit un lien publié sur internet, soit un lien publié ou du moins effectué en face à face. Essayez de répondre un petit peu en face à face, pas forcément tous en même temps, parce qu'on a quand même un certain bilan à équilibrer en termes de face à face et justement de publication sur internet. Donc du coup je vous laisse faire ça, faites comme vous voulez. Enfin bref, maintenant passons vraiment à ce qui nous intéresse là dans cette vidéo là, qui est donc les épisodes 5 et 6 de Sword Art Online Alicization. Ces deux épisodes sont plus ou moins complémentaires, ils sont extrêmement complets. On a eu un retour à la réalité en dehors de l'Underworld, du coup pour se centrer un petit peu plus sur ce qui se passe en dehors de l'Underworld, sur la situation de Kirito qui est hospitalisé, sur les intentions de Kikoka qui est donc un mec à la base qui travaille pour l'armée et donc pour le gouvernement, qui s'est petit à petit reconverti dans les MMORPG, ou du moins dans les enquêtes sur les MMORPG, avec du coup tous les problèmes qu'il y a eu dans GGO, dans Alfheim, dans Sword Art Online évidemment. Du coup il a décidé lui aussi entre temps de créer son entreprise RAT pour pouvoir faire ses propres expériences, comme on va le découvrir aujourd'hui. Également vu un petit retour sur Asuna qui va se démener, qui va remuer ciel et terre pour aller chercher Kirito, parce que d'habitude c'est plutôt Kirito qui se met dans la merde pour aller sauver Asuna, cette fois-ci c'est l'inverse. Du coup pour résumer rapidement l'épisode 5, on a eu un petit retour à la réalité, on revoit vite fait dans un flashback Kirito qui se prend dans le bras la seringue du mec qui l'a attaqué. On a aussi un petit flashback sur le fait que les deux se connaissaient déjà par rapport à Sword Art Online, parce qu'ils s'étaient déjà combattus à l'époque dans cet univers là. On apprend bien évidemment que Kirito est hospitalisé et que d'après les diagnostics des médecins et des différents tests qu'il a dû passer, il est dans le coma et qu'il n'est pas sûr de se réveiller un jour. En plus de ça, on apprend qu'il a subi un arrêt cardiaque pendant plus de 5 minutes, ça fait que son cerveau n'a plus un apport d'oxygène ni rien. Donc malheureusement pour lui, il risque d'avoir des dommages collatéraux autant sur son physique que son mental. Après, comme j'ai dit juste avant, on a Kikoka qui apparaît donc devant Asuna pour lui dire qu'il faut hospitaliser Kirito dans un endroit qui sera beaucoup plus spécialisé, avec du coup des recherches davantage plus poussées, des technologies adaptées à son problème. Donc avoir un épisode qui va se concentrer principalement sur la recherche de Kirito, parce qu'en fait quand Asuna va se diriger à ce fameux hôpital le jour d'après, elle va se rendre compte qu'en fait Kirito a bien été intégré à cet hôpital là, mais qu'il a été ensuite envoyé ailleurs directement. Du coup forcément Asuna et tous ses amis vont se mettre à chercher Kirito et dans toute la ville, dans tout le pays et partout où est-ce qu'il aurait pu être emmené par RAT, qui est donc l'entreprise dirigée par Kikuoka. Asuna va finir par se rappeler de quelques souvenirs dont Kirito lui a parlé, notamment à propos d'une fille qui s'appelle Rinko Kojiro, qui est donc une scientifique hyper reconnue qui adore travailler sur les RPG, les nouvelles technologies, la réalité virtuelle et tout ça, et qui était notamment, d'après l'épisode 5 et 6 et tout ce qu'on a pu voir, une des fiancées ou du moins une amante de Akihiko Kayaba, le créateur de SAO qui est donc mort dans les premières saisons. Elle connaît très bien Kikuoka parce que celui-ci lui avait d'ailleurs proposé de travailler sur le projet Alicization. Elle avait refusé parce qu'elle voulait vraiment se couper du monde des recherches vu que son mec était mort à l'époque. Du coup Asuna lui a envoyé un mail justement pour lui expliquer la situation, comme en plus celle-ci connaissait Kirito, qu'elle avait quand même un peu de compassion par rapport à lui, par rapport à ce qu'il avait fait, par rapport justement aux exploits qu'il avait fait dans Sword Art Online, etc. Et par rapport à la relation qu'il avait avec Akihiko Kayaba. Elle a donc décidé d'aider Asuna à retrouver Kikuoka, en sachant bien sûr où était son laboratoire sur la mer, dans une espèce de grosse embarcation, du moins une sorte de grosse installation en forme de tortue. Du coup on a Rinko et Asuna qui arrivent, enfin plutôt Asuna qui arrive en mode incognito, totalement déguisé, irreconnaissable. Elle passe toutes les deux toutes les failles de sécurité, toutes les phases un petit peu de contrôle de sécurité au cas où s'il y a des inconnus ou des intrus qui peuvent rentrer dans le laboratoire, qui est quand même assez confidentiel. Au final, à peine arrivée devant Kikuoka, Asuna qui enlève son déguisement et qui se dévoile, on va dire, entièrement devant lui, elle a vraiment envie de casser des culs, elle a vraiment un air hyper badass pour retrouver son mec, et c'est bien normal. Même si on est d'accord sur ce point-là que si Kikuoka était un minimum dangereux, ou du moins un minimum mal intentionné, il aurait pu facilement la faire enfermer tranquillement dans un coin du laboratoire. D'ailleurs, on apprend du coup que grâce à Kikuoka, et du moins grâce à RAT, entre guillemets, Kirito va pouvoir être soigné, entre guillemets, mais ça va prendre plus ou moins de temps, grâce au Soul Translator, qui est donc la machine qui permet d'avoir accès
au monde de l'Underworld dans lequel Kirito est plongé en ce moment. Du coup, on comprend forcément par rapport à ça que Kirito a replongé dans l'Underworld, non pas à cause du poison, pas à cause d'un rêve, d'un coma, tout ce que tu veux, mais bien grâce à Kikuoka qui l'a transféré dans l'univers de Rat. En réalité, les épisodes 5 et 6 avec l'hospitalisation de Kirito, ça se passe en même temps que Kirito justement a plongé. Du coup, il y a eu le transfert à l'hôpital, puis le fait que Kikuoka l'ait déplacé à Rat et du coup dans son laboratoire, l'ait fait émerger, tout ça s'est passé en même temps. Du coup, comme forcément Kirito est dans le coma, qu'il a subi un arrêt cardiaque et que du coup son cerveau est touché et qu'il y a quand même pas mal de choses à réparer, il est parti du principe du fait que comme la footlight de Kirito peut être transférée dans l'Underworld, la technologie peut en même temps analyser son âme, la lire, la copier et évidemment également réparer son cerveau petit à petit et du coup les cellules qui seront endommagées puis réparées. On apprend d'ailleurs dans l'épisode 5 et 6 les réelles intentions justement de Kikuoka par rapport au projet Alicization. Il a envie justement de créer de véritables floodlights artificielles qui répondront du coup à toutes ses demandes, qui viseront à protéger l'humanité avec du coup des floodlights intelligentes qui pourront réagir d'elles-mêmes à des situations de manière spontanée. Il avait d'ailleurs créé le monde de l'Underworld grâce à la base de création que Akikoka Aba avait justement diffusée à la fin de Sword Art Online, c'était donc The Seed, si je dis pas de conneries. C'est une sorte de petite boule, veut dire numérique, de création numérique qui permettait de créer énormément d'univers à partir de ça et de cette ressource-là. Il a donc créé l'Underworld avec du coup un petit village tranquille, quelques petites populations qui visaient à grandir au fur et à mesure, et finalement essayer de copier des floodlights, même si les copies étaient largement défectueuses, comme on l'a vu dans l'épisode 6. Parce que autant la technologie du coup du Soul Translator est hyper innovante, elle est hyper développée, il arrive quand même à lire l'âme humaine et la copier intégralement pour la mettre ailleurs. Ça relève d'un côté du génie, mais d'un côté ça fait froid dans le dos. Comme on l'a vu, quand il prend l'âme humaine de quelqu'un, du coup la floodlight d'un humain qui a déjà grandi, que ce soit un adolescent, un enfant qui a quand même assez grandi, puis surtout d'un adulte, on se rend compte que la copie va agir également de la même manière justement que l'adulte, sans comprendre qu'elle est elle-même une copie, et va donc sombrer dans la folie, puis s'autodétruire, comme on l'a vu justement avec la copie de la floodlight du scientifique à lunettes, qui lance donc le programme sur le PC, comme on l'a vu, avec sa floodlight qui va s'autodétruire parce qu'elle sait plus du tout qui elle est. Ils ont donc pensé justement, et à juste titre, que si une âme humaine à partir d'un âge adulte ou adolescent partant en couille par rapport à toutes les connaissances qu'elle avait du monde réel, par rapport à ses sensations, ses expériences et tout ça, ils ont donc pensé qu'en partant de la floodlight d'un bébé qui n'a donc aucun souvenir ni vraiment aucune expérience du monde réel ni rien, ils pouvaient justement partir de zéro en l'implantant dans un monde virtuel, comme ça la personne en question va grandir avec du coup une floodlight de base, justement une floodlight artificielle qui partira de zéro, qui va découvrir un nouveau monde comme si c'était réellement le sien, sans point de comparaison possible entre les sensations virtuelles et les sensations humaines. Il a donc créé un petit village dans lequel il a mis énormément de floodlight de bébés, d'ailleurs du coup ils ont été élevés par de vrais humains qui ont du coup comme Kirito plongé dans l'Underworld de façon volontaire en étant adulte. Du coup ça leur a permis justement de faire grandir les floodlights pendant 18 ans à l'intérieur du jeu, parce que comme on l'a vu également, il a mis un accélérateur de temps pour que quelques jours dans la réalité ce soit plusieurs dizaines d'années à l'intérieur du jeu. Donc c'est pour ça qu'au bout de 3 semaines dans la réalité, le jeu actuellement, du moins enfin le jeu l'Underworld et cet univers là qui est totalement indépendant, a atteint je crois les plus de 300 à 400 années in-game. Dès que les âmes entre guillemets qui étaient bébés à la base ont grandi, qu'elles ont pu se développer, apprendre à se débrouiller, etc., on a pu voir que justement elles ont pu se multiplier, commencer à peupler un peu les environs, développer des technologies, développer un petit peu leur village, tout ça, pour amener justement la société qu'il y a aujourd'hui dans le monde de l'Underworld. Le seul problème de Kikuoka avec cette expérience-là, même si de base c'est hyper ambitieux, c'est un truc du génie, etc., même en copiant des âmes humaines de bébés pour les mettre dans un jeu en partant de zéro, et le fait qu'elles vont du coup grandir en n'ayant aucune expérience de la réalité, qu'elles ne pourront pas sombrer dans la folie, du coup mener une vie paisible, et ben son problème c'est que justement ces âmes-là, elles ont trop pris le dessus d'une IA normale, et du coup elles sont mises à respecter des règles qu'elles se sont elles-mêmes imposé. Que ce soit avec la table des interdits justement que certaines populations dans le jeu ont créé dès le début, on sait pas du tout qui c'est qui les a créés, en plus Kikuoka non plus n'a pas l'air de savoir qui les a mis en place, du coup c'est quand même à se demander comment régit cet univers là si ce n'est pas Kikuoka qui gère les règles. Également certains personnages qui ont accès du coup via les arts sacrés, du coup qu'on appelle la magie plus communément, ils ont accès du coup à des commandes du système en disant système Fireball, système Lumos, en gros eux pour eux dans le jeu c'est du coup des arcanes sacrés, en mode vas-y je te récite vite fait un art sacré, une phrase magique pour accéder à un sort, mais en réalité c'est des commandes qui amènent du coup au système pour avoir accès à des nouvelles techniques, des compétences qui seront amenées à être débloquées au fur et à mesure que le personnage va se développer et progresser. Du coup, comme il l'a dit lui-même, les âmes à l'intérieur du jeu de cet univers-là ne brisent aucun interdit, ils respectent tous les règles à fond, ils sont dans l'extrême solidarité, il n'y a pas de déchets par terre, il n'y a aucun vol, il n'y a aucun meurtre, il n'y a aucun combat autre que dans les règles, il n'y a vraiment rien qui est dépassé. Tous les humains, du coup, qui de base viennent dans l'Underworld avec des souvenirs comme l'a fait Kirito, forcément c'est des humains, ils aiment bien transgresser les règles, ils aiment bien un petit peu faire comme ils ont envie. Donc forcément, ces âmes-là, elles aiment bien transgresser les règles comparées à celles de l'Underworld, qui elles suivent les règles à la lettre. Du coup, le fait que Kikuoka comptait sur quelqu'un comme Kirito, qui a déjà l'expérience des MMORPG, des mondes virtuels et tout ça, ça lui a permis un petit peu de voir si son influence sur les autres
était assez intéressante, et justement c'est ce qu'on a pu voir avec Alice. Au contact de Kirito, elle a voulu sauver quelqu'un, elle a voulu faire preuve d'altruisme et justement outrepasser les règles pour justement dépasser les règles du système et faire un petit peu comme bon lui semble. Et donc justement le réel but de Kikuoka avec ça, c'est justement de faire en sorte que les objets, ou du moins les nouvelles technologies d'aujourd'hui, soient équipées de floodlights avec des âmes comme celle d'Alice, qui sont capables non seulement d'écouter les règles mais aussi de les transgresser, de faire preuve du moins d'altruisme, de solidarité et d'outrepasser les règles si c'est justement pour le bien de quelqu'un. Parce que si c'est pour faire comme EGO, attendre justement qu'un de ses amis est en danger et même justement de ne pas agir comme à l'époque où Alice s'est fait enlever, malheureusement, bah forcément, même si c'est intéressant de voir ça, le fait que le système du coup régule un petit peu les comportements, ça n'intéresse pas de voir des floodlights qui se limitent justement aux simples règles et qui ne vont pas plus loin en ayant du coup sa propre interprétation de la situation et qui ne soit pas spontané pour agir dans le danger pour aider les autres. C'est pour ça qu'en fait il est prêt à faire une expérience quitte à sacrifier des dizaines et des dizaines de milliers d'IA qui soient pas forcément autant perfectionnés qu'il le veut, quitte justement à pouvoir sauver des vraies âmes dans la vraie vie, même si du coup c'est un petit peu le don d'énerver Asuna qui elle considère les IA aussi importantes que des vies humaines à une échelle quand même plus ou moins importante. Parce qu'elle a quand même eu de l'affection par rapport à des PNJ dans SAO, par rapport à dans Alphame, etc. Parce que c'est vrai que les PNJ, ou du moins en général les IA, sont de deux types. T'as soit celles qui sont de top-down, soit de bottom-up. Et du coup, t'as celles qui vont seulement suivre les règles, les commandes du système, etc., les dialogues prédéfinis, etc., qui sont pas à même de réfléchir par elles-mêmes. Ou justement celles qui vont réfléchir par elles-mêmes, prendre des décisions, et justement ça que veut faire Kikuoka. Totalement une grosse coïncidence que le projet Alicization, du coup, avec du coup le patronyme là, Alice, avec du coup les différentes significations dont il a évoqué, il a notamment été surpris de voir que la coïncidence que le personnage d'Alice soit le premier à ne pas respecter les règles, ou du moins aller encore plus loin, du coup c'est pour ça à mon avis qu'elle a été enlevée, pour être étudiée justement peut-être un petit peu plus loin dans le jeu, au cœur du système, et voir un petit peu comment ce personnage-là va grandir, avec peut-être un changement de personnalité ou pas. Donc, en tout cas, on a vu à la fin de l'épisode le fait que également il y a l'infirmière qui s'occupait de Kirito est également présente de nouveau là. Rinko en tout cas tire un petit peu la gueule en mode elle sait pas trop si Kirito va s'en sortir ou pas. Est-ce qu'on va savoir si au bout d'un moment Kirito et surtout son expérience dans l'Underworld va suffire à réparer son cerveau, le réveiller de son coma et le rendre encore plus puissant qu'avant. On peut également aussi se poser la question, est-ce que Asuna va également plonger dans l'Underworld? Est-ce que celle-ci, si elle y va, sera directement habituée? Est-ce qu'elle va réussir à sauver Kirito, ou du moins le rejoindre, essayer un petit peu de s'habituer à cette nouvelle société-là? Est-ce qu'elle va peut-être aussi rester uniquement en dehors du jeu pour avoir un suivi par rapport à Kikuoka qui pourrait faire n'importe quoi? Est-ce qu'elle est seulement prête à rester en tant que spectatrice et non pas en tant qu'actrice cette fois-ci? On verra bien. Voilà les gars, en tout cas c'est tout pour cette vidéo review analyse des deux épisodes de Sword Art Online Alicization, que ce soit l'épisode 5 ou l'épisode 6. Je pense avoir tout résumé, tout analysé, je donnais mon point de vue en tout cas sur tout ce qui s'est passé. On verra dans l'épisode 7 qu'est-ce qui va se passer. À mon avis, on aura sûrement un retour sur EGO et Kirito dans l'Underworld et du coup la suite de leur parcours. J'ai en tout cas hâte de voir ça, j'espère que vous aussi. En tout cas voilà les gars, c'était tout pour cette petite vidéo. Je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous avez pensé de mon analyse, des deux épisodes évidemment, si vous aimez toujours autant SAO et si vous êtes vraiment hypé pour ce qui va arriver. Je vous laisse également vous abonner à ma chaîne si vous aimez Sword Art Online, tout ce que je trouve sur la chaîne en général, sur les mangas, les jeux vidéo, les animés et tout le reste. Mets-moi un gros pouce bleu, ça fera super plaisir. N'oubliez pas bien sûr de répondre à mon questionnaire qui sera tout en haut de la description et du coup son lien directement dans la description. N'oublie pas également de me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, à tous les liens en description. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.